Bonjour, bienvenue à Pause Café. Aujourd'hui, on a Geneviève Landry avec nous. Bonjour Geneviève. Bonjour Anne. Geneviève, tu es agente immobilière slash broker, courtière. Oui. Pour quelle compagnie? RE/MAX Citywide. Mmh. On a trois bureaux. On a un bureau à Rocklin. Moi, je suis localisée justement à Rocklin et à Cumberland. Puis on a un bureau aussi à Ottawa. Donc trois bureaux, Ottawa, Cumberland, Rocklin. Ça fait quatre comme... bureaux. En brun aussi. Ouh, en brun, mon Dieu, quatre. Oui, quatre bureaux. Donc, vous couvrez vraiment tout l'Est ontarien quasiment? Oui. Oui. Ça fait combien de temps que vous faites ça, agent immobilier? Ça va faire 10 ans dans quelques jours. OK. Le 24 novembre, d'ailleurs, j'ai eu ma licence comme agente. Comment qu'on découvre ça, notre passion en immobilier? Parce que je pense qu'il faut être passionné pour absolument. Être l'agent. Oui, absolument. Les heures que vous faites, puis... les choses que vous découvrez, comme on a parlé tout à l'heure en allant visiter certaines maisons, oui. Je crois qu'il faut vraiment être passionné. Donc, comment ça se trouve, cette passion-là? Ben, je pense que tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est comme dans n'importe quel domaine. Je veux dire, c'est... Moi, quand je me suis en allant en immobilier, j'étais en décoration intérieure. Je faisais de la gérance de projets de rénovation au niveau résidentiel et commercial. Je voulais faire un retour aux études parce que je venais de me séparer en 2000. Je voulais faire un retour aux études à temps partiel le soir. J'avais mes deux jeunes enfants à charge aussi. Et puis, c'est un peu... Puis, vu que mon père était dans le domaine, il était dans le domaine de l'immobilier, il était agent immobilier, les cours pouvaient se prendre facilement, ça pouvait se prendre en ligne ou en salle de classe. Donc, j'ai décidé de choisir cette avenue-là sans trop savoir si j'allais aimer ça. Ouais. Puis, je dois avouer que les 5 premières années de ma carrière, ben, les 4 premières années de ma carrière ont été assez difficiles. Tu veux te faire connaître, tu as besoin d'avoir une crédibilité. C'était quoi les années? C'était en quelle? Ben, j'étais licenciée en 2004, okay. En novembre 2004. Fait que vraiment, j'ai vraiment plutôt commencé à travailler en janvier 2005. Je pense que j'ai fait ma première vente peut-être un mois ou deux après avoir eu ma licence. Comment ça a été cette première vente-là? J'avais tellement des papillons dans le ventre, ça n'a pas d'allure. J'étais tellement nerveuse. Puis, je suis tombée sur un super bon agent. Moi, j'avais les acheteurs, puis l'agent qui représentait le vendeur était tellement gentil. Vraiment une belle personnalité, patient aussi. Puis mes clients ont été contents aussi. Ils ont justement vendu cette propriété-là. C'était une propriété à revenu pour eux. Et puis, ils ont vendu ça, je pense, peut-être il y a 3 ans passés. Ah, c'est bien. Donc, ils ont quand même fait un beau petit bout de chemin avec oui. Cette propriété-là. Oui. Puis c'est à force de faire de l'immobilier que j'ai vraiment découvert la passion. Bien, de la première transaction, j'ai aimé ça. Pouvoir aider à mes clients à passer au prochain chapitre de leur vie, dépendamment des besoins, ce qu'ils vivent. Des fois, c'est un rêve, c'est un accomplissement, c'est un rêve pour le client de pouvoir acheter sa première maison, de pouvoir passer à sa maison de rêve, donc ou que ce soit un investissement, aussi une propriété à revenu. Donc, il y a peut-être aussi l'autre côté qui est plus malheureux des cas de séparation, des cas que les gens ne peuvent pas tenir. Oui, puis ça, on a une appréciation pour ces gens-là parce qu'on a passé par là, Chris et moi. Fait qu'on peut sympathiser avec les clients qui sont en voie de séparation. C'est pas facile, surtout quand il y a des enfants impliqués aussi. Mm-hmm. C'est pas toujours évident. Fait qu'on essaye on veut former une équipe avec nos clients qui passent à travers, bien, tous nos clients au fond, mais les clients qui se séparent aussi, je veux dire, on prend pas un parti plus que l'autre, ouais. Je veux dire, on travaille pour les deux dans la vente, puis ensuite de ça, peut-être qu'ils vont acheter une autre propriété, mais on veut les aider à transiger de façon saine, puis qu'ils soient bien équipés financièrement pour pouvoir passer à la prochaine autre étape. Oui. Il y a beaucoup de gens présentement qui se posent la question pourquoi je devrais aller avec un agent immobilier. On a touché brièvement dans notre petite discussion avant. Des gens qui utilisent des services comme d'autres, des services de vente directe. Puis vous m'avez relaté un peu des problématiques des fois qui se posent que les gens ne sont pas au courant. De... Oui, il y a des fois où le client peut se représenter lui-même dans la vente de sa maison. Des fois, ça va bien. On n'entend pas souvent parler des histoires d'horreur. Mm. Par contre, mon mari a représenté un acheteur dans l'achat d'une propriété. Et puis, le client n'avait pas tout dévoilé au sujet de la propriété.
il n'avait pas rempli la déclaration du vendeur comme il devait faire, comme il était stipulé dans le contrat. Donc, avec le manque d'informations, l'avocat de l'acheteur, le client de Chris, justement, a découvert qu'il y avait une démenture d'eau de 9 000 $. Wow. Fait que le vendeur n'avait pas informé Chris de ça. Donc, c'est le vendeur qui était responsable de payer sa propre démenture parce que c'était écrit nulle part, stipulé nulle part dans l'offre d'achat comme quoi qu'il y avait une démenture d'eau. Donc, l'acheteur ne voulait pas se retrouver à payer une démenture d'eau de 9 000 $. Non. Donc, c'était un peu compliqué. C'était vraiment de valeur pour le vendeur parce que vous ne voulez pas des erreurs comme ça, ça mange ton équité. Ouais. Ça t'empêche d'aller de l'avant comme il faut. Des fois, ça peut être une balayeuse centrale qui était oubliée, mais ça, c'est pas la fin du monde, mais c'est ouais. frustrant quand même. Ou des fois, ça peut être des défauts cachés aussi. Oui. Puis, si l'acheteur achète avec les deux yeux fermés, il ne s'engage pas un bon inspecteur. Mm. On sait qui, avec qui on fait affaire. On a des inspecteurs qui sont 5 étoiles. Donc, c'est toutes des choses où... un agent vient vraiment aider dans la transaction. Oui, oui. Absolument. Donc, puis, le marché... Puis, l'agent représente son client. De représenter son client avant ses propres intérêts. Je pense aussi à un côté émotif à la vente ou à l'achat. Absolument. Absolument. Que les gens ne se rendent pas compte, mais quand on est rendu là, comme moi, personnellement, je sais que la journée où je vais mettre la maison en vente, ça va être un désastre émotionnel. Ah oui. Parce que quand tu as mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à quelque part, puis que là, tu mets la place à vendre, c'est une partie de toi-même là, que tu laisses en arrière. Donc, oui. Je peux juste m'imaginer. Ah oui. Bien, il y en a qui sont contents de tourner la page. Ouais. Il y en a d'autres qui ont de la difficulté. Nous autres, on a vendu notre maison il y a 2 ans passés. Puis, je me rappelle, la maison était vide, j'étais toute seule en maison, puis j'ai pleuré pour à peu près 5 minutes de temps. Mais après ça, j'étais correcte, tu sais. Puis, quand on a passé à travers du processus de l'achat de notre dernière maison, il y a eu des moments où c'était stressant à cause de l'inspection. Il y a des choses qui n'étaient pas divulguées, etc. Et puis, j'ai été comme pognée aux émotions. Là. J'étais frustrée, je vivais ces stress-là. Fait que, puis moi, j'étais une agente en plus. Oui, imagine. Donc, tu sais, c'est bon de mettre un mur quasiment. C'est ça. Hein, puis on est là pour supporter notre client à travers de ça. Tu sais, c'est certain qu'on veut que la transaction se déroule sans stress, mais des fois, ça devient stressant. Mm. Puis c'est déjà stressant à l'avance parce que le client achète avec ses émotions. Ouais. Il achète avec ses yeux, il achète avec son cœur, avec ses besoins naturellement. Mais ça peut devenir très émotif. Au niveau du marché immobilier dans Clarence Rockland, je sais depuis les dernières années, il y a eu des booms, il y a eu des... flat. Là, on est rendu où dans ce marché-là? Je te dirais, Anne, quand j'ai commencé en 2004, il y a 10 ans passés, le marché immobilier était à la hausse jusqu'en 2012. En 2012, vers la fin de l'année, on a commencé à avoir du déclin dans les prix. Les ventes au ralenti, un petit peu plus au ralenti. Tout se vendait avec une augmentation de 3 à 8 % par année. Là. Puis en 2013, au printemps 2013, c'est vraiment là où le marché a été affecté. Je pense qu'on avait pris 100 inscriptions à Rockland ou dans Clarence Rockland cette année-là. Une maison sur 5,8 qui allait au marché, qui était mis à vendre, se vendait. Wow! Donc, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Nous autres, on a fait cette année-là 1 sur 2. On vendait 1 sur 2 dans Clarence Rockland qu'on mettait à vendre. Puis on était déçus de nos statistiques. On trouvait que c'était pas beaucoup comparativement aux années avant. Cette année, qu'est-ce qui est arrivé, d'après vous, pour qu'il y ait un déclin? Bien, beaucoup des habitants de Clarence Rockland sont des travailleurs du gouvernement fédéral. Il y a eu beaucoup de coupures au niveau... puis il y a eu des menaces, il y a encore des menaces de coupures d'emploi. Donc, si tu as 2 fonctionnaires qui sont dans la même maison, il y en a un qui est menacé, bien là, tu viens possiblement perdre la moitié du salaire. Là, ils ont une belle grosse maison. Tu sais, les jeunes vont à l'école, ils ont des cours, il faut que tu les habilles, ces enfants-là, faut que tu... En tout cas, les taxes municipales ont aussi augmenté. Un des gros problèmes qu'on entend, là, souvent, c'est la circulation le matin. Okay. Comment c'est là? Comment ça s'est dispendieux en essence, l'usure des voitures, tu sais, qui vont de la campagne, de Clarence Rockland à Ottawa. L'autobus, les autobus Leduc ont définitivement aidé.
Fait que ça, tu peux sauver des coûts de cette façon-là. Mais le gros, là, c'est la circulation. Il y a des gens qui refusent de venir à Clarence Rockland à cause de ça. Je veux dire, tant qu'à moi, c'est pas pire qu'à Canada. Qu'à Canada, de voyager de l'ouest de la ville à t'en aller au centre-ville. Ouais. Puis là, le soir, quand tu pars du centre de la ville, tu t'en vas à l'ouest de la ville. Ouais. Puis qu'il y a une partie d'hockey ce soir-là. Oublie ça. Ou Fleetwood Mac ouais. est en concert. Et là, c'est comme bumper to bumper. Mais donc, si moi, je suis à Bourgette. Et puis, je trouve qu'ici, on a un petit trésor caché qui est Russell Road. Oui. Qui n'est pas vraiment utilisé tant que ça. Donc, est-ce que le marché est meilleur dans cette partie-ci? Les gens qui veulent aller à la campagne, par exemple, je ne parle pas des gens qui oui. veulent avoir l'expérience de la ville. Est-ce que le marché de Bourgette par rapport aux autres Clarence Creek et puis aux autres endroits, est-ce que c'est dans le même niveau ou est-ce que c'est un petit peu meilleur à cause de notre petit trésor caché qui est Russell Road? Mm. Bien, Russell Road, définitivement, une bonne route là, pour se rendre à la ville. S'il y a plus de ventes dans Bourgette que de Clarence Creek, je dirais que c'est peut-être semblable. Mm-hmm. Puis ça prend quelqu'un qui veut s'en aller dans le rural aussi, parce que là, t'as moins de services. Ouais. Donc, ça prend quelqu'un qui veut vraiment avoir ce lifestyle-là. Clarence Point aussi est un endroit populaire, parce que c'est tout près de l'autoroute, c'est aussi près des services, tu sais, des épiceries, des ouais. écoles, les cours pour les enfants, les cours après l'école. Donc, c'est vraiment... je pourrais pas te dire si Bourget est plus populaire que Clarence Creek. Moi, je te dirais pas mal que c'est un 50-50. D'accord. Donc, au niveau de ce qu'on parlait du marché, je vois ici qu'il y a 43 unités qui ont été vendues en 2014, c'est ça? 343 unités de vendues au total dans Rockland, ainsi que les petits villages autour. Donc, la totalité de Clarence Rockland. OK. C'est quand même bien. Oui, c'est quand même bien. Rockland, on a eu 198 unités depuis le 1er janvier 2014. Ça, c'est des statistiques qui sont basées sur les statistiques MLS. OK. Fait que j'ai pas accès aux nouvelles constructions qui n'ont pas été publiées sur MLS. OK. Ou les constructions de Minto, par exemple. Certains constructeurs qui ne sont pas sur MLS ou les ventes privées. OK. OK. Fait que j'ai seulement accès aux statistiques MLS. Fait que Rockland, on regarde à 198 unités. Puis, dans les villages, 145 unités. Donc, c'est quasiment même... 50-50, quasiment? On donne quoi? Une quarantaine de plus. 43 de plus. 40, ouais. Dans Rockland. OK. Depuis le 1er octobre, on a eu 21 ventes dans Rockland. Rural, il y a eu 9 ventes. C'est pas énorme. Fait que c'est un total de 30 ventes. Pour le 1er octobre, depuis le 1er octobre, qui est quand même pas pire. Ah, dans le dernier... Oui. Fait que même pas un mois. Oui, c'est ça. Ah, ben c'est bien, oui, ça. Un petit peu plus qu'un mois, oui. Fait que c'est quand même pas pire. On a eu un mois d'octobre. Comme pour octobre-novembre, c'était quand même bien. Il y a beaucoup de maisons qui se sont... On a trouvé qui se sont vendues. Fait que là, on commence à ce temps-ci de l'année. Vers le mois de décembre, on commence à avoir... Nos inventaires baissent un petit peu plus. OK. Il commence à avoir moins de choix. Il y a quand même encore un bon choix, là, en ce moment, pour les acheteurs. Puis on va revoir, là, des nouvelles propriétés sortir, là, en début d'année, au mois de janvier. Puis peut-être au début janvier ou mi-janvier, on va avoir des réductions de prix. Habituellement, là, c'est comme la norme, là. Puis ça recommence tranquillement, pas vite, quand le printemps arrive, c'est là que les prix remontent. Donc, le temps d'acheter, vraiment... Si on est capable de se le permettre en janvier, ce serait un bon temps? Oui, pour un achat, oui. Puis même ceux qui veulent vendre, moi, je recommande toujours aux gens qui vont vendre en hiver. Puis des fois, on ne sait pas toujours quand est-ce qu'on va vendre notre maison. Des fois, il y a des choses qui arrivent, puis on se retrouve un peu au dépourvu. Moi, je recommande toujours à mes clients d'avoir des photos d'été de leur propriété, parce que si tu veux vendre en hiver... Là, tout le monde est curieux de voir de la neige. Hein. Après, tu t'emmènes sur MLS, clic, les bancs de neige, les pancartes sont rendus grimpés, 6 pieds dans les airs. Ça a l'air, là, devant cette maison, on ne voit rien, bancs de neige. Fait que, tu sais, souvent, on ne peut pas voir le landscaping, les fleurs, la piscine, les plates-bandes, etc. Donc, je recommande aux clients de toujours avoir des photos d'été. Une banque d'images d'été. C'est ça. Fait que moi, justement, je viens d'en inscrire 2 belles grosses maisons, 3 maisons d'ailleurs. Tout dernièrement. Et puis, on était assez chanceux. On a venu à bout des faire photographier avant la neige. Ah, OK. Donc... Ah, c'est bien, ça. C'est ça, oui.
Fait que ça va leur donner un air d'aller au moins jusqu'au printemps prochain. Oui. Et puis, est-ce que présentement, c'est un marché qui favorise les acheteurs ou les vendeurs? Qui favorise les acheteurs. OK. Oui. Comme je te disais, depuis à partir de 2013, on trouve un déclin dans la valeur des propriétés dans Clarence Rockland. Et puis, il y a des gens qui se sentent contraints au point de vue des finances, contraints au point de vue de leurs finances, donc ils doivent mettre leur maison à vendre. Et puis, on a eu un gros inventaire de propriétés. On a encore un bon inventaire. Donc, l'acheteur qui magasine peut aller voir 6-7 maisons avant de prendre sa décision. Tandis qu'en 2000, de 2000 à 2012, bien, tout se vendait rapidement. Puis, on voyait souvent des offres multiples. Ouais. Les propriétés se vendaient même à 100% du prix demandé. Donc, présentement, le pourcentage se tient aux environs de combien? Le pourcentage se tient, tu peux t'attendre à peu près à 96,8% dans Clarence Rockland. OK, c'est quand même bien. 97. L'année passée, c'était 97,2 dans le territoire, dans tous les territoires du Ottawa Real Estate Board. OK. La Chambre meublière d'Ottawa-Carlton, c'était la moyenne, 97,2. Comment vous faites pour établir le prix moyen de la maison, par exemple? Mettons que je décide de mettre la maison ici en vente. Comment vous faites pour établir le prix? C'est quoi les... Il y a trois différentes façons d'évaluer une propriété. Il y a la vente, l'évaluation coût de construction. Mm-hmm. Fait que prendre ta maison, la rebâtir aujourd'hui. Par contre, ça ne tient pas compte de l'état du marché. OK. OK. Donc, pouvoir prendre ta maison, la reconstruire, puis j'arriverai pas avec ce que le marché est prêt à payer. OK. Ensuite de ça, pour les maisons, les propriétés qui sont des propriétés à revenus, ça génère combien d'argent? OK. OK, fait que c'est basé sur le revenu de la propriété. Combien d'argent va me générer cette propriété-là, en fait, de loyer, en fait, de dépenses? Puis combien est-ce qu'il m'en reste dans les poches. Ensuite de ça, tu peux tenir compte aussi de l'état de cette propriété-là. Donc, ça, c'est une autre façon d'évaluer la propriété. Fait que ça ne s'applique pas pour toutes les propriétés. Ouais, ça ne s'applique pas pour la tienne, mettons, ou la mienne. Ensuite de ça, il y a l'analyse des ventes comparables. OK. OK. C'est facile de faire une analyse de ventes comparables quand tu es dans une subdivision résidentielle en ville. Parce que tout est pareil. OK. Là, après ça, tu ajustes avec « Ah, oh, elle a un foyer, l'autre, elle n'a pas. Elle a du plancher en bois franc, l'autre n'a pas. Ouais. Un garage double, garage, etc. » Une propriété où on s'en va dans le rural, sont pas toutes pareilles, mais en général, il y a des critères qui sont semblables. Ça peut être un trois chambres, garage double, tu peux mesurer à peu près le montant de pieds carrés, tu prends en considération les upgrades qui sont dans la maison. Les ajouts, la grandeur du terrain, etc., etc. Fait que ça te donne un bon, une bonne idée de prix, là, un bon range de prix. OK. Quand on parle de range de prix, dans la région ici, c'est quoi la moyenne des prix des maisons? Dans Clarence Rockland, on regarde à peu près à 263 506 $ depuis le 1er janvier. OK. Ça inclut les condos et les maisons résidentielles. Le condo, je l'ai compté spécifiquement séparément. Là. Le prix moyen des condos vendus depuis le 1er janvier 2014 est de 247 000. Oh, c'est quand même assez élevé, hein? C'est oui. Comme pour les prix de condos. Oui. Y a-t-il beaucoup de... Les condos qu'on a dans la région sont surtout naturellement à Rockland. Mm-hmm. Les frais de condo, qu'est-ce que ça dit dans notre région? Bien, les condos de la Marina sont 400 quelques dollars. Ceux qui ont les ascenseurs, les garages souterrains, 400, je pense que c'est 450, 460 par mois à peu près, quelque chose comme ça. Les condos qui sont à côté, les petits condos bleus en brique, à côté de la Marina, ça, tu regardes à peu près à 320 $ par mois. Et puis, les condos sur la rue Albert, c'est à peu près la même chose, je ne me trompe pas. Les condos sur Elliott, tu regardes à peu près autour de 120-150 $ par mois. Ça roule autour de 130. Pourquoi la différence? C'est quoi qui tient? Tu as des édifices qui sont plus vieux, donc qui vont requérir de la nouvelle asphalte. Ouais. Ils ont besoin de refaire les balcons. Ils ont besoin de refaire le vinyle. Ils ont besoin de refaire, tu sais. Donc, la maintenance. La maintenance. Ça fait qu'il y a des choses à renouveler. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir un plus gros frais de condo.
Ensuite de ça, les condos de la Marina, bien, t'as l'entretien des ascenseurs. Tous les endroits communs. Ça a des garages souterrains. Ils ont tout le landscaping autour. Il y a la Marina qui est une entité séparée. Mais, je veux dire, c'est quand même des éléments communs. OK. Donc, c'est sûr que ça dépend aussi, tu sais, s'ils ont des party rooms, des choses comme ça. Puis, en général, condo avec ascenseur, garage, souterrain, là, c'est rare que tu vas t'en sortir en bas de 350. OK. Tu vois, ceux sur la rue Albert sont quand même assez récents. Là. Il y a un édifice bâti en 2008-2009. Puis, ils ont deux autres édifices aussi là, qui, je pense, sont pas tout vendus. Mais la vente de condo à Rockland est lente. La vente de condo, en général, à Ottawa, est très lente. OK. Ouais. Les gens aiment mieux avoir vraiment... des maisons détachées pour ne pas avoir la peur du voisin indésirable? Mais il y a ça. Il y a des gens qui ne sont pas prêts dans leur tête à payer des frais de condo. Ouais. Mais il y a aussi un surplus d'inventaire. Mm-hmm. Parce que le condo vise aussi le baby boomer. Ouais. Qui vend, c'est le baby boomer qui vendait sa grosse maison, qui s'en allait en condo. Fait qu'à Ottawa, il y a des projets qui ont mis en vente 3-4 ans passés. Puis ça commence justement la construction. Ah, oh, wow! Oui, oui. C'est vraiment ralenti. Fait que c'est bon pour les acheteurs de condos, si on veut, d'un côté, parce que les prix doivent avoir baissé légèrement. Oui. Donc, ceux qui sont intéressés d'avoir des condos, ben c'est le temps de sauter là-dessus. Oui, oui, absolument. Ouais, bye-bye la maintenance. Bonjour condo. Oui. Une augmentation annuelle de combien? Depuis, le début des années 2000... Les maisons ont... La valeur des maisons doublé, triplé ou... Tu peux t'attendre, en général, de 3 à 8, une augmentation de 3 à 8 par année. Il y a une année... Puis ça dépend quel est le quartier, où la propriété est située, etc. Mais depuis 2012, on n'a pas vu de hausse là, dans le marché. Donc, c'est vraiment stable. Ça a baissé en 2013, mais là, c'est stable. Okay. Il y en a qui ont commencé à grimper un peu, mais c'est pas mal stable. Donc, on peut vraiment mettre ça sur le côté de la sécurité, je crois, d'emploi. Là, si on, oui. Parce qu'on regarde dans d'autres endroits comme à Toronto, puis à d'autres endroits comme ça, où on s'attendait à ce qu'il y ait une baisse, mais il n'y en a jamais eu de baisse. Oui. Puis, oui, il y a ça aussi, l'instabilité économique. Clarence Rocklin... Les gens se sont plaints aussi que les taxes étaient assez élevées. Ouais. Même c'est plus élevé qu'à Ottawa. Donc, Oui. Donc, ça, on espère qu'il y a quelque chose qui va être fait à ce sujet-là bientôt. Absolument, oui. Oui. Prendre une pause, on vous revient dans quelques minutes. Ne manquez pas, célébrons ensemble à l'église Très-Sainte-Trinité la messe dominicale du dimanche avec notre abbé Jonathan Blake qui vous accueille dans notre belle église à Rockland. Lecture, évangile, chant, eucharistie et bénédiction. Célébrez dans le confort de votre maison la messe dominicale en direct de la paroisse Très-Sainte-Trinité à TVC22 ou encore sur Internet à www.tvc22.ca. Et deux. Hey, il m'a manqué mon Alex, là. Ah non, c'est moi qui l'a. Oh, 71. Oh, 71. Hey, si tu jouerais, ça irait bien mieux. Ouais. Je sais pas compter. Ouais. I 30. Bingo! 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 Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches, 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. Le GF Show, c'est quoi? Bienvenue au GF Show, c'est un tout nouveau TV show, on va dire. Ah ouais, vas-y, let's go! Je sais pas si vous allez me trouver pas. Bienvenue tout le monde au GF Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir, je suis pas que le numéro. On va avoir du fun, bon welcome. Bienvenue tout le monde. Le GF Show, c'est de l'humour, c'est l'entertainment, du divertissement, des sketchs, des parodies, des conneries, des observations, des chroniques, et j'en passe. Le GF Show, c'est tout, c'est n'importe quoi. C'est pour vous autres, c'est à TVC 22, c'est oh, ne le manquez pas. Mesdames et messieurs, Pour
pour une émission qui couvre tout ce qui se passe dans la région de Clarence Rockland. Que ce soit organisation à but non lucratif ou événement politique, culturel, récréatif ou sportif, ne manquez pas Informez-vous avec Jacques, animé par Jacques Tessier. Jacques s'intéresse à vous et est là pour vous informer de ce qui se passe chez vous à TVC22 ou encore sur Internet au www.tvc22.ca. Hey Geneviève, si jamais je décide de mettre ma maison en vente, comment de temps aurais-tu le marché, d'après toi? Comment de temps que ça te prend, toi, Geneviève, à vendre une maison? Ben, l'équipe de Chris et Jen, en moyenne, ça nous prend à peu près 37 jours vendre une propriété. Par contre, les statistiques de 2013, la chambre immobilière d'Ottawa Carleton démontrait que Clarence Rockland se vendait en 57 jours, oh, wow. En moyenne. Cette année, depuis le 1er janvier 2014, les statistiques MLS nous démontrent de 60 à 68 jours. Ça se maintient pas mal dans le 60 à 68 jours. Les acheteurs, qu'est-ce qu'ils recherchent dans notre région? Qu'est-ce que les gens veulent? C'est quoi la demande que tu as tous les jours ou aux deux jours? Là, qui... Bien, la beauté de Clarence Rockland, Anne, c'est qu'on a du rural pour quelqu'un qui veut avoir la tranquillité, qui veut avoir un plus grand terrain puis qui veut vivre le lifestyle là, de la campagne. On est capable d'offrir ça à l'acheteur. Qui recherche ça. Ensuite de ça, si on a un acheteur qui recherche, comme par exemple un premier acheteur, souvent on a des premiers acheteurs qui vont venir dans Clarence Rockland parce qu'ils peuvent se trouver une belle maison pour 270 000, entre 260 à 300 000 $. À Orléans, tu vas acheter une townhouse pour 300 000 ou 279 puis tu as comme plein d'argent à mettre dedans de toute façon. En plus de ça, je devrais dire. Donc, on a le meilleur des deux mondes. On a la rivière, on a la campagne, puis on a la ville. Donc, ah, c'est bien. Fait que à des prix abordables. C'est ça, c'est abordable. Puis ce que le client, ce que l'acheteur recherche de nos jours, le plus clé en main possible. Okay. Le moins à faire. Pas de ménage. Puis ça, je pense aussi que ça peut être dû à la génération des milléniums. Okay. Ça serait une autre émission complète, là, ah, juste oui, à ce hein? sujet-là. Les milléniums. Fait que ça a vraiment changé. Oui. Le... Ah oui, puis on voit les milléniums. Je regarde mes jeunes acheteurs, mes jeunes couples là, qui ont des jeunes enfants ou qui sont les premiers acheteurs. Ils veulent tout voir qu'est-ce qui est à vendre dans leurs critères, là, dans leur prix. C'est intéressant. Puis, je veux dire, ils sont tellement, au point de vue technologie, ils ont tellement accès à la technologie. Je veux dire, 90% des gens commencent leur recherche en ligne pour l'achat d'une propriété. Ouais. Et puis, je veux dire, tu peux aller visiter une propriété en ligne, voir toutes les photos, le tour virtuel, le prix, tout le kit, ça va vite. Puis, je remarque aussi, de plus en plus, je texte puis j'envoie des courriels. Comme on se texto des numéros MLS, on se texto des photos de maison. C'est vraiment incroyable. Ouais, la rapidité à laquelle... L'accès à l'information, c'est incroyable. Oui, je me rappelle, juste en 2000, quand j'ai acheté ici, tout se faisait par fax. Oui. Donc... c'est maintenant tout par scan. C'est ça. Tout était faxé, des scans, des fax de 1000 de long avec toutes les propriétés de... Oui. Ouais, puis là, ils sont en train de sortir avec les contrats aussi, là, où tu peux... Signer électronique. Oui. Ah, c'est bien ça. Fait que ça va faire avancer les choses plus rapidement oui, aussi. Ça nous sauve. Donc, quand on parle de 37 jours sur le marché, c'est vite. Oui. Comment les gens font pour s'organiser? Ça doit être assez la course folle vers une nouvelle maison ou les closings sont assez longs? Bien, les closings, en général, je veux dire, ça peut être un mois comme ça peut être 90 jours. Des fois, c'est un peu plus. Quand c'est en hiver, quand on commence à vendre à ce temps-ci de l'année, bien là, souvent, les gens ne veulent pas déménager en hiver. Mm. Fait que si les gens peuvent accommoder un déménagement printanier, bien, ils vont le faire. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas le luxe de faire ça. Ça tombe que c'est comme ça. Puis aussi, on voit souvent des fermetures à la fin juin. Quand après l'école. C'est ça. Donc, pour les familles. Puis, qu'est-ce que vous conseillez aux vendeurs demain matin, je décide de vendre? Qu'est-ce que je devrais faire? C'est quoi les étapes que je devrais faire? Qu'est-ce que vous me conseillez? Vu que la vente de ta maison, c'est l'investissement... Un des investissements les plus importants qu'on fait dans notre vie. Moi, je prends pas ça à la légère.
Je recommande à mes clients de passer un ou deux, trois agents en entrevue, de travailler avec un agent qui connaît ses statistiques de marché, qui a des inscriptions, puis qui est capable de prouver ses ventes dans le quartier, qui a un plan de marketing en place aussi. C'est très important. Deuxièmement, d'avoir une maison propre. Mm. Moi, Anne, des fois, là, je vois des maisons, là, c'est vraiment pas propre. La propreté, veut, veut pas, là, que ce soit une vieille maison, qu'elle soit propre ou qu'elle soit sale, prendre la même maison. Propre se vend plus cher, plus vite, moins de visites. Puis souvent, les visites, c'est à l'heure du souper, t'es obligé d'aller au restaurant, fait que t'as des frais en surplus pour le restaurant. T'es obligé de sortir de chez vous, t'as ton chien, t'as tes petits, t'as ton chat. Mm. C'est l'enfer, là, avoir des visites. C'est pas le fun, c'est stressant. On l'a vécu, nous autres, puis on a trouvé ça difficile, mais ma maison est impeccable. Mm. Puis ça, c'est important. La propreté, les appareils sont inclus. Lave ton four. Moi, j'ai vu montrer une maison à un acheteur, le four était sale, le réfrigérateur était sale. Elle dit, viens-t'en, Geneviève, on sort d'ici. Mm. C'est de valeur, mais c'est comme ça. C'est comme si tu vas acheter une auto. Tu vas t'acheter l'auto qui est propre ou l'auto qui est sale pour le même prix. Oui, c'est ça. Quand tu as le choix, c'est vraiment... Puis aussi, j'ai entendu dire qu'il fallait que tu fasses un peu d'exorcisme, si tu veux, de sortir toutes les vieilles choses de la maison qui sont... la rendre un peu moins personnalisée, si on peut. Oui. Je ne sais pas si c'est une joke. Okay, non, c'est l'exorcisme. Il y a toujours petit Saint-Joseph que tu peux planter dans le porteur en avant avec la tête à l'envers, là, si tu veux. Là, mais... Non, je suis sûre qu'il y en a des maisons qui ont besoin d'exercice pour en passer. Là, en tout cas, ça. Oui, bien oui, c'est vrai. Mais définitivement, on recommande d'enlever les photos de famille. Des fois, il y en a qui ont des murs pleins de photos de famille. Parce que veut, veut pas, l'acheteur va arrêter de regarder les photos. Ah, oh, je suis allée à l'école avec elle. Ah, oh, ça, c'était mon enseignante, ou, t'sais, etc., etc. Moi-même, j'arrête pour regarder les photos, puis c'est pas moi qui achète, là. Donc, oui. Puis, des fois, c'est juste d'imprimer des photos de l'Internet, puis les mettre dans le cadre. Ouais. Au lieu d'enlever les cadres, puis patcher les murs. Des fois, je recommande d'aller faire des ventes de garage, des fois, ou regarder sur Facebook, ils ont des groupes de vente, des fois, ou même aller faire un tour chez Winners pour acheter des cadres. Nous autres, on a un inventaire d'encadrement qu'on garde pour nos clients. Ah, oui, c'est bon, ça. Couvre-lits, et puis des cadres. Des fois, c'est des rideaux. Oui, juste pour donner du oomph. Oui, oui. J'avais déjà vu quand j'avais acheté ici les visites que j'avais fait, une des maisons au-dessus du lit dans la chambre, il y avait une photo de boudoir de la femme, la maison. Je trouvais ça tellement tordant. Là. Pourquoi ça aurait été la première chose que j'aurais enlevée, ça aurait été bien moi, ça. Moi, j'avais vu une chambre avec des miroirs au plafond. Ça donne des idées. Oui. Des idées de décoration. Oui, absolument. Ouais. Donc, des choses à faire et à ne pas faire. Dans la liste de choses à faire avant vraiment aller voir plusieurs agents, essayer d'avoir une idée des prix de notre coin. Puis pas juste ça, c'est quand on parle de prix, c'est pas nécessairement d'aller avec l'agent qui est prêt à te donner le plus d'argent pour ta maison. Parce que à la fin de la journée, c'est pas l'agent qui décide. Ouais, c'est le marché qui va décider combien il est prêt à payer pour ta maison. Vérifier la crédibilité de cet agent-là aussi. Mm. Parce qu'il y en a qui... C'est un peu des jeux que certains font pour aller chercher des listings. On va vous donner 50 000 de plus, puis on les fait attendre pour poireauter, puis à la fin, on les fait descendre. Mm-hmm. Donc, c'est ça. C'est bon d'aller à un agent avec qui on a confiance, puis qui a un bon track record, comme on dit. Là. Puis si vous êtes si y a un agent qui vous est référé par plusieurs différentes personnes, Absolument, c'est ça. C'est un bon signe. Oui. Puis quoi d'autre on peut faire pour préparer notre maison à vendre? Bien, il y a tout l'intérieur, tout nettoyer, les bords de fenêtres. Souvent, on voit que c'est pas super. Des fois, c'est pas propre. Mm. Les moulures, des fois, c'est un petit peu de caulking, des fois, c'est un petit coup de pinceau. Avoir des couleurs neutres. Oui. Tu sais, soit dans les gris pâles, les beiges pâles. Les chambres d'enfants, c'est pas pire. Là, parce que je veux dire, on s'y attend. Exactement. Mm. Mais des couleurs pétées, ces murs, c'est à éviter. Moi, j'ai remarqué avec les années en immobilier, je ne sais pas pourquoi, mais les maisons avec les murs jaunes de serin, on a de la misère à vendre ça. Ah, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui est la meilleure couleur?
Ben moi, je recommande à mes clients, ça dépend, tu veux que ça agence avec le décor. Ouais. Fait que soit un gris pâle ou un beige pâle ou un taupe pâle. Mm. C'est des couleurs qui vont quand même relativement bien avec tout. Puis quand tu peintures, ben tu veux pas avoir la peinture sur le plafond non plus. Tu veux que ton plafond soit bien fait. Ouais. Fait qu'il y en a qui n'ont pas le talent, mais qui s'essayent quand même. Fait que investir dans du tape. L'odeur aussi, j'ai entendu dire que certains petits trucs, quand on fait des open house, qu'on fait cuire une batch de biscuits ou quelque chose. Oui, ou des fois, il y a des chandelles. On recommande des fois à nos clients les petits plugins. Okay. Aucune senteur fruitée ou de peau pourrie. OK. Non. Des senteurs citronnées, des senteurs de lavande. Okay. Sinon, ça vient que ça tombe sur le cœur à certains gens. Puis, tu ne veux pas y aller trop fort parce qu'il y en a qui ont des allergies au parfum aussi. Ouais. Donc, des fois, ça peut être un peu difficile. Puis, c'est pas évident toujours parce qu'on a des animaux de compagnie. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Bien là, les chiens qui perdent leur poil, naturellement, on veut passer à la balayeuse. Il y a des chiens qui sentent plus que d'autres. Donc, si, mettons, le chien se couche toujours au même endroit à la porte, bien, lave le tapis à la porte. Mm. Parce que c'est en rentrant. Ouais. Donc, puis, tu as 8 secondes pour faire l'impression, ta première impression en rentrant. Puis, les litières de chat. Ouais. Videz-les, s'il te plaît. Changez le sable. Ouais. C'est incroyable comment est-ce que... L'odeur est incroyable, ouais. Oui. Puis il y avait, pendant... je crois qu'il faut sortir les animaux de là aussi quand il y a un open house. On le recommande, chose. Oui. Ouais. Moi, j'ai vu aller montrer des maisons où on se faisait grogner après par le chat. On ne pouvait pas descendre dans le sol. Il ne voulait pas nous laisser passer. Ben moi, j'avais peur. Le chat? J'ai vu un chat, là, il ne voulait pas me laisser passer. La porte du garage, j'étais dans l'entrée, j'étais comme pris là. Là, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Plein de grenier après, là. Fâché. Si vous ne pouvez pas être là le jour pendant une visite, ben peut-être vous organisez qu'un voisin aille chercher votre chien, ou le chat qui grogne, ou le mettre dans une cage. Ou le mari. Il ne voulait pas déménager, il restait là, il a grogné. Ouais. Puis pour l'extérieur des maisons, surtout en été, ben nettoyez vos plates-bandes. Mettez un peu de mulch. Des fois coloré quand tout l'extérieur est toute la même couleur. Là, mais définitivement désherber, passer le weed whacker, couper la pelouse. On veut que ça soit bien entretenu. En hiver, les extérieurs, s'il vous plaît, allumez vos lumières le soir. Mm. Parce qu'il fait noir à 4h30. Des fois, tu arrives à 7h, tu peux trouver le lockbox. C'est pas pire, c'était ton... T'as une lampe de poche dans ton téléphone, puis allumer les lumières pour que ça soit plus invitant. Bien nettoyer les escaliers ou le petit trottoir, là, tu sais. Ça fait que c'est plus invitant quand t'arrives là avec des acheteurs. Puis c'est invitant pour les acheteurs aussi. Les choses à faire, mettons, un coup qu'on l'a vendu la maison, il nous reste encore 3 mois. Y a-tu des choses qu'on devrait faire? Des boîtes. c'est de se trouver un avocat. Ouais. En qui on a confiance et qui a une bonne réputation. Aussi, d'un avocat à un autre, les prix peuvent varier. Okay. Fait que c'est de bien s'informer de cette façon-là. Il y a des frais d'avocat. Quand tu achètes, tu as ce qu'il appelle la Land Transfer Tax, c'est la taxe provinciale de l'Ontario. Tu as tes frais d'avocat, puis tu as ton Title Insurance, l'assurance titre, qui protège l'acheteur. Et puis, quand tu vends, tu déménages et t'achètes, au fond, tu dois fermer tes comptes avec l'hydro, le gaz naturel, la municipalité, etc. Informer tout le monde que tu vas déménager, leur donner ta nouvelle adresse. Le câble aussi, la TV. Donc, pour oublier toutes ces choses. Exactement. Ouais. Ça en fait déjà beaucoup. Ouais. Avez-vous vous-même des services que vous offrez comme de décoration pour aider les gens, par exemple, qui veulent vendre? Oui. Est-ce que vous les conseillez? Oui. Ouais. Oui. Moi, avec mon background en déco, je le fais. Quand je vois que c'est trop, il y en a trop à faire, puis je me dis, puis parce que c'est nos maisons, hein? Donc on prend ça personnel, veut pas. Puis quand je vois que c'est un peu trop, je vais recommander un home stager. Okay. Quelqu'un qui va s'occuper de la mise en marché de la maison pour l'intérieur, l'extérieur. Sinon, je n'aurai jamais le contrat, je vais me faire éclairer avant de commencer. C'est ça. Donc, je veux pas faire de la peine à mes clients. Oui, c'est ça. C'est un peu un conflit. Éviter les conflits. Mm-hmm. Hein? Exactement. On va arrêter encore une fois. On revient après la pause.
Le TV Bingo, en direct du studio TVC 22, tous les dimanches, 19h15 sur TVC 22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. Ne manquez pas Célébrons ensemble à l'église Très-Sainte-Trinité, la messe dominicale du dimanche avec notre abbé Jonathan Blake qui vous accueille dans notre belle église à Rockland. Lecture, évangile, chant, eucharistie et bénédiction. Célébrez dans le confort de votre maison la messe dominicale en direct de la paroisse Très-Sainte-Trinité à TVC 22 ou encore sur Internet à www.tvc22.ca. Le GF Show, c'est quoi? Bienvenue au GF Show, c'est un tout nouveau TV show, on va dire. Ah ouais, vas-y, let's go! Je sais pas si vous allez me trouver fort. Bienvenue tout le monde au GF Show, c'est un tout nouveau TV show. Vous allez voir, je suis pas que le numéro. On va avoir du fun, bon welcome! Bienvenue tout le monde! Le GF Show, c'est de l'humour, de l'entertainment, du divertissement, des sketchs, des parodies, des conneries, des observations, des chroniques, et j'en passe! Le GF Show, c'est tout! C'est n'importe quoi! C'est pour vous autres, c'était M. Lando, puis c'est chaud! Ne le manquez pas! Mesdames et messieurs, bienvenue au GF Show! Pour une émission qui couvre tout ce qui se passe dans la région de Clarence Rockland, que ce soit organisation à but non lucratif ou événement politique, culturel, récréatif ou sportif, ne manquez pas Informez-vous avec Jacques, animé par Jacques Tessier. Jacques s'intéresse à vous et est là pour vous informer de ce qui se passe chez vous à TVC 22 ou encore sur Internet au www.tvc22.ca. Chaque élève est unique. Chacun a ses propres intérêts, objectifs et forces. Tous devraient avoir les mêmes chances de réussir et d'obtenir leur diplôme d'études secondaires. C'est pourquoi le gouvernement de l'Ontario a mis sur pied des programmes visant à personnaliser l'expérience scolaire des élèves. Nous sommes à la recherche de gens comme vous pour nous aider à améliorer l'expérience scolaire de nos élèves en leur fournissant une expérience en milieu de travail. Relevez le défi avec nous et appuyez chaque élève à se bâtir un avenir prometteur. Venez découvrir notre programme novateur, la majeure haute spécialisation. La majeure haute spécialisation est un programme spécialisé, approuvé par le ministère, qui permet aux élèves de concentrer leurs études à un secteur d'activité économique particulier, tout en répondant aux conditions d'obtention du diplôme d'études secondaires, peu importe leur destination post-secondaire. Qu'elle soit la formation en apprentissage, les études collégiales ou universitaires, ou bien encore directement sur le marché du travail. Dans la majeure, l'élève doit suivre 2 crédits en éducation coopérative. Ça veut dire que l'élève doit aller faire un stage chez un employeur. De cette façon-là, on vise à ce que l'élève ait vraiment une expérience la plus enrichissante possible, qui va vraiment lui permettre de comprendre c'est quoi la réalité au niveau professionnel du domaine qui l'intéresse. En tant qu'entrepreneur, Carl Poirier a pris l'occasion d'investir dans l'avenir d'une élève. Dans la vie, on a besoin des gens qui nous donnent une chance, et puis c'est ça que j'ai fait. Oui, ça m'a pris du temps. On a investi dans ce stage-là, nous aussi. Et on a pu voir qu'à la fin, ça portait fruit. Pour Émilie Tousignan, c'est l'occasion de développer des connaissances et des compétences spécialisées. Émilie met aussi en pratique les connaissances acquises en classe lors de certifications et formations obligatoires qui font partie du programme de la majeure haute spécialisation. C'était une vraiment bonne expérience. J'ai participé à beaucoup d'activités. J'ai fait des dessins, ce que j'adore. J'ai fait du coding. J'ai participé à des photoshoots avec des clients. J'ai fait une grande variété de choses qui m'ont vraiment permis d'apprendre. J'ai appris ce qu'elle était, ses talents à elle, pour pouvoir, mettre ses talents en pratique dans des vraies situations. Et puis, ça s'était donné, par hasard ou pas, que ses talents ont été carrément apportés dans les projets réels. Elle a vu carrément ses illustrations, dans son cas, faire partie d'un projet réel.
Pour Stéphane Paré, l'expérience pratique de la majeure lui a permis d'explorer et de préciser ses objectifs postsecondaires et de prendre une décision éclairée concernant son avenir. Vraiment, ça m'a aidé tellement par rapport à ma décision de où je voulais aller et qu'est-ce que je voulais faire après le secondaire. C'est une question que tous les élèves se posent quand ils sont en 11e ou en 12e année. C'est qu'est-ce que je vais faire après le secondaire? Moi, grâce à mon placement ici, je savais ce que je voulais faire. Je savais que c'était en télé que je voulais continuer mon éducation postsecondaire. Ça m'a dit finalement que c'est quelque chose que je voulais continuer. Non seulement c'est l'élève qui peut recevoir de l'éducation d'un côté pratique sur le champ, mais aussi c'est l'employeur vraiment qui reçoit des services. Donc c'est vraiment un partenariat qui va des deux côtés. Les avantages pour vous en tant que commerçant, entrepreneur, chef d'entreprise ou autre sont nombreux. On est une compagnie qui est en train de grandir pas mal vite et puis on a besoin de l'aide. Ashley apporte à notre commerce quelqu'un qui travaille très fort, qui veut apprendre. Et c'est certain que c'était une bonne idée parce que ça nous aide, vraiment, ça nous aide d'avoir quelqu'un d'autre qui peut travailler pour nous et puis c'est gratuit. Les avantages pour moi d'aller faire du bénévolat chez Complete Healthcare Solutions, ça me donne de l'expérience, puis je peux mettre en pratique mes connaissances que j'apprends à l'école. J'apprends comment travailler en équipe, j'apprends comment être organisée et travailler de leur manière, donc c'est le fun. En appuyant un élève dans son cheminement scolaire, vous leur donnez les outils nécessaires pour créer une expérience scolaire motivante et enrichissante. Il y a des élèves de la majeure de votre communauté qui cherchent présentement à entamer des stages dans le milieu de travail de votre secteur. Si vous êtes intéressé à accueillir un élève au sein de votre entreprise, veuillez communiquer avec l'un des conseils scolaires de langue française de votre localité et demander à parler à la personne responsable de la majeure haute spécialisation. Un programme qui répond aux besoins individuels de chaque élève en matière d'apprentissage, la majeure haute spécialisation. Relevez le défi avec nous et appuyez chaque élève à se bâtir un avenir prometteur. Hey, il m'a manqué un mot avec là. Ah non, c'est moi qui l'ai. Oh, 71. Oh, 71. Hey, si tu jouerais, ça irait bien mieux. Ouais. Je sais pas compter. Ouais. I 30. Bingo! 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 Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches, 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. Donc Geneviève, si jamais je décide de vendre ma maison et d'en acheter une autre, est-ce que je devrais utiliser le même agent pour vendre ma maison et acheter mon autre maison? Prendre, mettons, l'agent du vendeur? Bien, ça dépend, Anne. Vu qu'on est dans Clarence Rocklin, puis si tu veux déménager à Toronto, je te recommanderais de prendre naturellement un agent qui connaît Toronto. Par contre, moi, quand j'ai un client qui est un vendeur, qui devient aussi un acheteur, souvent ça arrive. Mm-hmm. La plupart du temps, ça arrive. C'est toujours plus avantageux pour le vendeur de travailler avec son même agent qui va devenir un agent avec qui il va acheter. La relation est déjà établie, la confiance est déjà établie. Puis tu vas vraiment avoir un agent qui travaille pour tes intérêts parce que tu es son client. Des fois, ça arrive où on représente les deux parties. On représente le vendeur, on représente l'acheteur. Ça peut être touchy. Oui, je comprends. Mais il y a des façons de le faire. Faut que les deux parties, de toute façon, soient consentants. Que c'est une représentation des deux côtés. On peut appeler ça comme agent double. Ou en anglais, on appelle ça multiple representation. Les deux parties doivent être consentants. On ne doit pas donner la motivation, on ne doit pas divulguer la motivation de l'achat ou de la vente d'un côté ou de l'autre. Le prix le plus haut ou le plus bas qu'un des deux parties est prêt à accepter. C'est pas évident, ça. Mm-hmm. Quand ça vient à l'acheteur, on n'a pas le droit de le conseiller à quel prix commencer son offre. OK. Puis, pour qu'il vienne à bout de se faire une idée à quel prix il veut offrir,
on doit lui montrer des statistiques du marché, donc des ventes comparables dans ce quartier-là ou dans ce style de maison-là, dans tel et tel secteur. Donc, l'acheteur est à ce moment-là, a assez d'informations pour être capable de se faire une idée à combien il veut offrir. Mais là, si, ça se peut que le vendeur, quand j'amène l'offre, lui dit « Oh my God, Geneviève, c'est bas, ça n'a pas de bon sens. Mm. » Mais moi, j'ai pas le droit de conseiller le vendeur à quel prix faire sa contre-offre. Oh, man. Oui. Fait que ça devient plus compliqué de faire votre travail d'un côté. Si tu représentais seulement un des deux côtés, il n'y aurait pas de problème, tu pourrais conseiller. Oui, okay. Absolument. Donc, ça vous complique un peu votre travail. Oui, oui. Puis j'ai vu des fois où j'ai représenté les deux parties, puis c'était une offre multiple, où il y avait un autre agent qui amenait une offre, moi j'amenais une offre au même vendeur. Wow! Dans ce cas-là, souvent, l'agent va venir présenter sa propre offre. Fait que moi, pour aider à mon vendeur dans ce cas-là, je vais laisser l'agent venir présenter son offre. Par la suite, je vais présenter mon offre. OK. Parce que si l'agent commence à poser des questions à mon vendeur, puis mon vendeur est un peu sénère, bien peut-être qu'il va divulguer les termes de mon offre. Donc, ça le protège à avoir la meilleure offre possible aussi. OK. Ah, c'est bien ça. Oui. Donc, pour les gens qui veulent vendre aussi, comment... vous m'avez parlé de quelqu'un sur Facebook qui vous avait communiqué ou à travers un oui, des sites. Oui, ça fait quelques fois sur Facebook où il y a des gens qui recherchent un agent dans Clarence Rocklin. Donc, mon nom a été recommandé à quelques reprises. Donc, des fois, ça amène à des conversations avec la personne qui recherche un agent, les services d'un agent. De quelle façon ça peut... justement, la semaine dernière, il y avait quelqu'un qui recherchait les services d'un agent... beau bon pas cher. Je suis venue à bout de l'aider un peu. Elle voulait vendre sa maison privément parce qu'elle n'avait pas beaucoup, elle n'avait pas acquis beaucoup d'équité dans sa maison. Ça faisait pas assez longtemps qu'elle était là. Donc, ça, je comprends ça, je respecte ça, mais je veux quand même aider ces gens-là. Ouais. Dans ta nature. Exactement. Puis, son achat, il vendait parce qu'il voulait obtenir une propriété bien spécifique à Clarence Point. Donc, puis j'ai dit, avec qui vous allez faire affaire pour votre achat? Ben, elle dit, avec l'agent du vendeur. Ah oui, j'ai dit, en tout cas, finalement, elle m'a donné l'adresse de la propriété, puis je suis allée voir la propriété. Mais c'est une propriété qui se fait on and off dans la dernière année, qu'elle était à vendre. Donc, elle était à vendre, ça ne s'est pas vendu, le contrat a expiré. Elle a été remise au marché, ça a expiré encore. Donc, puis je suis allée voir les ventes comparables dans ce quartier-là. Puis, j'ai laissé savoir à cette dame-là que la maison était probablement 30 000 $ trop chère. Elle payait 30 000 trop cher. Donc, elle était prête à faire affaire avec un agent qui représentait le vendeur ou qui donnait zéro représentation à elle. Ouais. Mais elle ne savait pas dans quoi s'embarquer. Ouais. Elle ne connaissait pas les statistiques du marché. Fait que je suis venue à bout de l'informer un peu. Fait que j'espère que... elle a pris une bonne décision, qui a été un peu plus informée. Dans sa décision. Donc, ça vaut la peine de consulter un agent puis de se faire aider pour trouver une propriété, vraiment, quand on voit ça, juste avec le prix, un prix de 30 000 $ de plus. Mais c'est de l'argent dans tes poches. C'est de l'argent. Surtout dans un marché qui est difficile à vendre. Mm. Surtout quand toi-même, dans cette histoire-ci, la personne a de la misère à... elle-même avec sa propriété, elle n'a pas beaucoup de sous dans sa propriété. Parce que ça peut être des erreurs qui coûteuses. Coûteuses pour longtemps, plusieurs années à venir. Mm. Est-ce que, au niveau des protections, justement, de la CHL, puis GM aussi, Genworth. Oui. Comment ça fonctionne, ça? Est-ce que c'est toujours, moi, dans le temps, quand j'ai acheté, on avait ces deux possibilités-là, est-ce que c'est toujours la même chose ou... Oui. OK. Genworth, les deux, c'est des assureurs. Oui. Ils assurent le prêt bancaire de l'institution financière, au fond. Donc, si tu as 20 % down, une mise de fonds de 20 % tu n'as pas besoin de passer à travers de la SCHL ou de Genworth. Okay. Parce que la banque est prêt à assumer le prêt et la responsabilité. Est-ce que c'est la même chose pour les unités locatives, comme si quelqu'un achète quelque chose ou une deuxième propriété? Est-ce qu'il faut passer par la CHL? Ça dépend toujours de ta mise de fonds. OK. Fait qu'automatiquement, si tu as 20 % tu n'as pas besoin de passer à travers la SCHL. Okay. Puis la SCHL, on a vu aussi beaucoup cette année, pas juste nous autres, mais le marché, les agents en général,
C'est la SCHL maintenant qui a le dernier mot sur le financement. Donc, si quelqu'un a 5, 10, 15, aller jusqu'à 19,9% de mise de fonds, le dossier, t'es pré-approuvé par ta banque te dit oui, tout est beau, va t'acheter une maison, mais ton dossier va finir dans les mains de la SCHL. Okay. C'est eux autres qui vont décider si oui ou non tu vas l'avoir ton prêt hypothécaire. Oh, wow! Parce que s'ils décident non, pour une raison ou une autre, souvent ça a l'affaire avec le crédit, l'historique du crédit, le debt load, etc. Si eux autres décident que non, bien, la banque ne te prête pas l'argent. Hmm. Donc... faut être bien préparé. Oui, il faut être bien préparé. Ça m'amène à l'autre question de se préparer à l'avance, donc de vraiment se débarrasser de cartes de crédit qui traînent dans le fond des tiroirs, de ne pas trop utiliser ces choses-là aussi. Les prêts pour les meubles, les cartes de crédit, les prêts d'auto, les lignes de crédit. Puis c'est donc facile d'avoir une ligne de crédit. Ouais. Oh, on va aller en voyage. Oh, on va s'acheter des nouveaux meubles. Oh, on va s'acheter une belle TV. Mm. À la fin de la journée, là... ça s'accumule. C'est ça. Ça joue contre nous autres, c'est exactement. Ça. Exactement. Donc, c'est ça. Le mieux, c'est vraiment de se débarrasser le plus possible de tout ce qui est prêt et carte de crédit pour être... mais quand même avoir un historique. On ne peut pas avoir rien non plus parce que si on n'a rien, on n'a pas d'historique, on n'a pas d'aide. Y a-t-il moyen d'aller chercher son score de crédit, comme on dit? Oui, Equifax offre cette possibilité-là. Puis tu peux le faire en ligne même. OK. Oui. Et puis, même si tu as l'intention de te faire pré-approuver, moi, je dis toujours, si tu as l'intention d'acheter, que ce soit dans 2 mois, 3 mois, prépare-toi à l'avance, va à la banque, va te faire pré-approuver, fais certain qu'ils font une vérification de crédit. Parce que la banque peut te donner un pre-approval. Oui. Ils peuvent te pré-approuver, mais s'ils n'ont pas fait une vérification de crédit à ton sujet, c'est comme rien. Ça m'est arrivé il y a à peu près 2 mois passés. J'ai un jeune couple, je leur ai vendu leur première maison. La première maison était à son nom à elle. L'hypothèque était à son nom à elle. Et on voulait acheter une deuxième maison. Je dis, Jen, on veut vendre la maison que tu nous as vendue. On est intéressé dans cette maison-là. C'était une maison qui était charmante. Les deux ont embarqué sur les, ils voulaient être sur les titres. Oui, pas de problème, t'es pré-approuvé. Mais ils n'ont pas fait de vérification de crédit pour les deux personnes. Elle était déjà pré-approuvée. Lui, il avait un hic sur son crédit. Mm. Fait qu'on est allé visiter la maison. On a fait l'inspection. L'inspection, ça leur a coûté des sous. Ouais. 450 425. Et puis, la dernière journée, on a su que ça passait pas. Ils passaient pas ensemble. Oh là là. Puis là, ben, vu qu'il avait acheté une maison qui avait besoin des titres rénaux, puis sont allés en voyage, puis etc., ben, ça n'a pas passé. Fait que c'était décevant. Oui, c'est vraiment pas. Fait qu'il faut être vraiment bien préparé. Oui. La meilleure chose pour être préparé, c'est peut-être de vous contacter, vous, Geneviève, et puis, Puis d'avoir la discussion à l'avance, voir un checklist un peu de qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, absolument. Puis on a même une présentation PowerPoint qui est super facile à lire, qu'on peut envoyer par courriel aussi aux acheteurs potentiels, aux vendeurs potentiels, pour les préparer à prendre ces décisions-là. Et aussi, on fait affaire avec une liste de spécialistes en prêt hypothécaire, les institutions financières telles que RBC, la Banque nationale, etc. Et puis, la Caisse aussi. Et puis, on a aussi des spécialistes, des conseillers en hypothèque avec qui on fait affaire. Donc, je vous invite, si vous êtes prêts à faire le saut, à faire du changement dans la nouvelle année 2015, à rencontrer ou à parler au moins avec Geneviève. On va vous donner les coordonnées au bas de l'écran. Et puis, on vous remercie beaucoup d'être venu nous voir à Pause Café aujourd'hui. On se revoit certainement pour d'autres sujets. Geneviève, on a glissé quelques mots. Oui. Donc, avec plaisir. À plus tard. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.